Et bah, du coup, voilà, on est au centre social de Sandras. Et ici, on a donc 8 cagettes qui sont stockées. Voilà à quoi ressemble. Il n'y a pas le pain encore. Mais en gros, on a 1 kg de choux, 1 kg d'aubergines, 1 litre de jus de fruits, 1 kg de pommes et les bonnes saucisses. Alors, les petites cagettes, c'est un circuit court qui a été créé par le centre social Lucie Aubrac de Sandras il y a un an et demi, en juillet 2022. Et l'idée, c'était de recenser les producteurs locaux. Alors, pas forcément labellisés, pas forcément bio, pas forcément Nature et Progrès, mais surtout locaux. Et de proposer chaque mois une cagette avec 2 kg de fruits, 2 kg de légumes, une portion de viande, ou une cagette végétarienne avec des œufs et des pélardons, des fromages, et du pain. Chaque mois, une cagette différente. De la proposer aux personnes intéressées dans la vallée du Galaison, donc de Sandras jusqu'à Saint-Martin-de-Boubeau, et de la livrer chez eux, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème aussi d'isolement, de mobilité dans la vallée. Et troisièmement, adapter les tarifs par rapport aux revenus de chaque famille. Oui, bonjour, c'est Thomas, des petites cagettes. Je viens vous livrer une cagette, mais je ne trouve pas votre maison. Je crois que je suis allé trop loin, je suis au 412. Donc le projet des petites cagettes, il a émergé après le Covid, parce que la vie a repris son cours petit à petit, et la précarité était quand même toujours là. Et on s'est rendu compte en fait que sur la commune, le CCAS de la mairie de Sandras proposait des colis d'urgence pour des personnes en difficulté. Sauf que dans ces colis, c'était beaucoup de produits secs. Donc c'est un peu de là où a émergé ce projet. L'idée, c'était d'aller voir un peu tous les agriculteurs de la vallée du Galaison et quelque chose de vraiment très local, de créer une discussion ensemble, faire en sorte à ce que ces agriculteurs-là se rencontrent et pouvoir créer un projet où tout le monde peut avoir accès à des produits locaux à des prix accessibles. Parce que moi, j'en ai plus dans mon jardin. Alors, j'ai un jardin et puis en plus, j'aime bien consommer des produits de qualité bio. Je suis inscrite d'ailleurs à la Biocoop à Alès et j'essaie de manger des produits qui sont un peu plus naturels et de bonne qualité. Bon, on en mange moins, mais au moins on mange quelque chose de qualité. Ce qui était intéressant aussi, c'est de peut-être faire financer les cagettes des personnes qui avaient plus de revenus pouvaient financer une partie des cagettes pour ceux qui avaient beaucoup moins de revenus et donc permettre d'avoir des prix différents en fonction des situations financières de chacun. Bonne journée et puis je vous tiens au courant pour la cagette de décembre. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Il y avait jusqu'au mois de septembre 4 tarifs différents. On a dû rééquilibrer pour des soucis de déficit. Donc il y a aujourd'hui 3 tarifs différents. La même cagette peut être payée 15 euros par une famille et 25 par une autre. Il y a des gens qui, des foyers qui sont plutôt modestes et même en difficulté. Et je trouve ça très intéressant pour eux et eux apprécient le fait que c'est une sorte d'aide alimentaire mais non humiliante et qu'on a autre chose à proposer que des boîtes de conserve et des invendus des supermarchés. Et les gens sont ravis. On a 79 adhérents. Ça tourne à plein régime pratiquement tous les mois. Il y a entre 20 et 30 cagettes chaque mois, sachant qu'on ne peut pas faire plus que 30. Et c'est sans engagement aussi, ça c'est assez précieux. C'est-à-dire que contrairement à une AMAP, on peut très bien prendre une cagette un mois et ne pas en prendre le mois suivant. C'est totalement libre. Je suis plutôt local que bio. Et en plus, il y en a des bio, les aubergines elles sont bio. Oui, mais je sais. Je préfère local que bio. Ouais, parce ouais. que le bio, ça peut venir de l'autre côté du boudou. Ça peut être du bio industriel aussi. Voilà, c'est ça. Et l'idée de ce projet, c'était vraiment d'aller aussi à la rencontre des habitants de la vallée du Galaison, qui sont plus reclus, qui sont peut-être plus isolés. Et donc est venue l'idée d'acheter une camionnette réfrigérée pour pouvoir parcourir cette vallée et amener les produits locaux au plus proche des personnes. Ces cagettes, c'est trop bien quoi. Ça peut permettre à des gens d'avoir accès à des. Enfin, de ne pas aller au supermarché surtout déjà. Donc voilà, ça a impulsé des idées quoi. Mm-hmm. Ça fait un an et demi que je jongle avec les producteurs et leurs prix au kilo et je suis atterré par les prix des supermarchés. Bien souvent, le chou romanesco grand comme ça, à 3 à 50, je me dis, mais c'est pas possible. Nous, le chou qui fait 3 kilos, il nous fait à 2 euros le kilo. Enfin voilà, c'est des choses qui sont. On a l'impression que
ce serait beaucoup moins cher en supermarché, mais au final, pas tant que ça. Et en plus, il faut savoir quelle société on veut. Et si on veut une société qui soutient les paysans, il faut faire des choix. Et là, je vois qu'il y a, par exemple ici, il y a beaucoup, beaucoup de fermes où on peut aller se acheter directement chez le producteur. Et ça ne coûte pas forcément plus cher que d'aller dans le supermarché.